saluer tout le monde qui a regardé nous et qui a écouté nous sur le site internet www.equipehaitijodia.com. Alors c'est toujours un plaisir pour nous présenter, pour nous venir, pour nous capables présenter des bonnes vidéos, un pile message et puis un pile connaissance, nous capables partager ça nous connaît ensemble avec les gens qui a regardé nous et qui a écouté nous. Et bien non pas moi, c'est toujours agronome Chérestal Jeunet, moi accompagné avec Céud Rosgerlin. Et bien, nous thème nous allons présenter au matin pour aujourd'hui à là. Et bien, nous allons parler de un concept qui toujours fait parler de lui, surtout dans le monde. Et bien, thème non c'est et sécurité alimentaire ou bien nous capable faire différence entre sécurité alimentaire et insécurité alimentaire. Et bien, nous, comme nous t'ai dit ça déjà, c'est Céud qui est avec nous là et qui va diriger l'interview à notre passé lui pour le capable. Je salue tout le monde qui a regardé nous dans ce moment ça. Comme agronome sont annoncé nous, moi c'est Céud Rosgerlin qui l'a toujours chaque mois avec nous, qui a présenté nos deux belles vidéos. Et moi remercie de ce que vous êtes toujours à regarder vidéo nous. Alors thème nous aujourd'hui c'est sécurité alimentaire. Comme même j'en avais avec tout l'autre monde qui a regardé nous, qui par contre ça la sécurité alimentaire. Ma pensée est demandé à agronome non qui ça qui sécurité alimentaire là. Agronome, est-ce que vous êtes capable d'expliquer à mon yo ensemble avec tout qui par contre ça est la sécurité alimentaire là. Thème sécurité alimentaire sont thèmes nous capable dire qui nous capable dire qui général parce que yo passé un thème mondial parce que tout côté dans tout le monde entier autant de au passé yo parler de sécurité alimentaire. Mais qui ça sécurité alimentaire? Mais c'est une situation côté population en lui-même. Eh bien, lui joint manger suffisance côté lui capable de satisfaire besoin lui. Gien pile l'autre pays côté par exemple moun yo yo joint manger en quantité bah, là yo pas parler des pays ça yo pas parler d'insécurité alimentaire pour yo mais gien tout yo parler de sécurité alimentaire ça veut dire moun yo yo joint ça yo besoin on capable dire nourriture là en quantité. Et mais puis devant nous pral expliquer tout quatre piliers tout qui pral parler de sécurité qui base sécurité alimentaire là. Et bien, comme nous disons que et bien, sécurité alimentaire, c'est une situation côté population, les jeunes manger en quantité, et bien, les satisfaire besoin. Ils ont parlé de autosuffisance alimentaire. Ça veut dire que les jeunes manger. Et, agronome Jeune Chérestal, est-ce que vous avez une organisation non gouvernementale qui parle toujours de sécurité alimentaire? Et, il y a plusieurs organisations internationales qui toujours parlent de sécurité alimentaire. Par exemple, nous sommes capables de prendre FAO, qui est l'Organisation internationale pour l'alimentation. Et bien, nous, ONG, ça lui-même, il y a une question de sécurité alimentaire là. Et bien, nous, il y a une action sur ça en pile. Parce que il y a un pile pays dans le monde. Et bien, il y a un pile pays côté à faire manger, il crée un pile problème. Nous n'avons pas besoin de manger vrai. Et ça fait parfois qu'on parle dans même pays ça qu'on parle de sous-alimentation ou bien qu'on gagne l'autre thème tout qu'on parle de malnutrition. Ça veut dire monde ça yo pas joindre de manger vrai yo pas joindre de manger. Et bien FAO lui-même il parle de ça en pile limite accent sur question sécurité alimentaire là. Et madame connaît quatre piliers dans qui gagne rapport avec sécurité alimentaire là. Sous thème sécurité alimentaire là lui-même il repose sur quatre piliers. Ça veut, là, nous parlons d'accessibilité. Eh bien, accessibilité, eh bien, c'est côté, par exemple, il faut que les gens mangent, c'est vrai, mais il faut le pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'il faut gagner l'argent pour l'acheter et manger. Là, nous parlons d'accessibilité. Gagner tout et disponibilité. Disponibilité, est-ce que manger là? Ça veut dire, est-ce qu'il est disponible pour les gens, même pour les gens manger? L'autre et puis il y a encore il parle de stabilité. Est-ce que dans moment ça gien manger ça gien manger dans période ça l'autre période pas gien manger là ça là nous pas parler de stabilité. Et mais nous parler de stabilité c'est les côtés et mais à tout moment et mais gien manger pour mon yo satisfaire à besoin yo pas gien question comme si c'est semaine ça nous jeune manger ou bien période ça nous jeune manger l'autre période nous pas jeune manger là nous pas dans sécurité alimentaire là nous dans insécurité alimentaire. Et mais yo parler de qualité tout et mais manger ça yo n'a pas manger à tout faut yo de qualité là n'a parler de qualité nutritionnelle avait dit et mais les manger ça et mais faut et mais et satisfaire à besoin et physiologique moins et mais faut et mais comme lui-même
système organisme et mais joindre quelque bagaille qui pour et même capable de améliorer comme mais là nous parler laisse nous parler de sécurité alimentaire. Merci agronome. Alors c'est toute question de gain pour me déposer sur sécurité alimentaire là et n'a conclu ensemble et n'a dit mon au revoir et à la prochaine. Merci.